Yo les gars, c'est Princey, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler tranquillement, donc je sais que ça fera pas beaucoup de vues, mais bon. D'ailleurs, si cette vidéo, on sait jamais, elle fait des vues, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos sur ma chaîne. J'en ai pas mal que j'ai fait qui sont pas mal là, ces derniers temps et qui ont pas beaucoup de vues, par exemple comment avoir un bot ou les skins les plus rares de Fortnite. Donc voilà. Alors du coup, dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu. Donc j'ai réussi à avoir mon code créateur, dont aussi deux autres avantages. Et voilà. Donc on va commencer à parler déjà de TikTok. J'ai une chaîne TikTok, la plupart de vous, enfin il y en a un peu qui viennent de là-bas. Et bah c'est sur TikTok que j'ai eu les 1000 abonnés. Donc je les ai eu avant YouTube. Donc voilà, TikTok a dépassé YouTube. Alors que je pensais que j'allais avoir 1000 abonnés sur YouTube avant. Mais je vais bientôt avoir les 1000 sur YouTube. Et donc pour avoir le code créateur, il faut avoir 1000 abonnés soit sur YouTube, soit sur TikTok, soit sur Instagram. Et il y a aussi d'autres choses, il me semble, mais c'est vraiment les principaux. J'ai envie de couper la musique par contre. Attendez. Boum boum. Et du coup, voilà, j'ai eu les 1000 abonnés sur TikTok. Donc, j'ai pu avoir mon code créateur. Donc, pour ce faire, j'ai envoyé un mail à Epic Games. Et dans le mail, ils voulaient que je mette un code sur l'application TikTok, donc dans le à propos, donc je l'ai mis. Et en gros, comme ça, ils vérifient si c'est bien le compte qui vous appartient. Donc, voilà, le compte m'appartient. Et donc, j'ai pu avoir mon code créateur. Sauf que je ne l'ai pas encore, puisqu'il faut que je donne soit un compte PayPal, soit un compte bancaire. Donc, on est en train de régler ça. Et après, je pourrai avoir mon code créateur. Donc, j'espère qu'il y en a qui vont me soutenir. De toute façon, je vais me soutenir moi-même, hein, logique. Alors, pour ce faire, j'ai changé mon pseudo. Vous pouvez le voir, c'est HansQ. Et j'ai changé le nom de ma chaîne, pareil. Et pareil, mon TikTok. Donc, voilà, c'est mon nouveau pseudo. Enfin, c'était déjà mon pseudo Fortnite, mais pas sur YouTube. Enfin, TikTok, si, mais pas sur YouTube. Du coup, je l'ai changé. Et j'ai enlevé le 3FC, comme ça sera plus simple pour vous, pour mettre mon code créateur. Du coup, pour l'avoir, si vous voulez une vidéo de tuto, n'hésitez pas à me demander. Je pense qu'il y en a déjà sur Internet, mais je vous la ferai, comme d'habitude, plus complète et plus claire que les autres. Donc si vous voulez une vidéo de tuto, et même conseil par exemple, parce qu'il y en a, ils savent comment avoir le code créateur, mais galère à avoir 1000 abonnés, si vous voulez, comme ça, je peux vous faire une vidéo de tuto pour avoir 1000 abonnés. Donc voilà. Donc je vais vous montrer aussi les deux autres avantages que j'ai eu grâce au code créateur. Premier avantage, c'est les options personnalisées. Donc là, je vais vous montrer. Donc là, vous connaissez sûrement, en gros, c'est les parties perso. Là, j'ai marqué n'importe quoi. Ok, j'ai mis n'importe quoi. Et regardez. Je lance la partie. Et regardez. Voilà. Voilà. Et là, regardez, je peux lancer la partie. En gros, bah, la partie, elle est à moi. Et si quelqu'un rentre le code que je viens de marquer, et bah, il peut venir dans la partie. Enfin, voilà. Donc c'est comme ça qu'on fait des parties perso. Et le deuxième avantage, c'est que je peux maintenant publier des cartes Fortnite. D'ailleurs, sûrement après cette vidéo, ou peut-être plus tard, je sais pas encore, mais je pense que ça va être après cette vidéo, je vais sortir ma map edit. Donc voilà, il y en aura deux. La deuxième, je la ferai plus tard quand la première sera finie. Une map edit impossible, vous allez galérer. Si vous n'êtes pas très très fort à Fortnite, vous pourrez pas la faire. Ça va vous mettre 30 ans. C'est vraiment une map impossible pour le coup, à la Raider. Et la deuxième map, elle est très simple, très 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 simple. Mais du coup, bah, ça se joue au timer et faut faire un perfect, voilà. Donc dites-moi à laquelle vous voulez entre les deux. Je sais pas encore laquelle je vais mettre. Et la deuxième viendra plus tard. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Sinon, bah, plus rien. Voilà. Du coup, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On va faire un petit récap vite fait. Je vais avoir mon code créateur. J'ai changé mon pseudo sur toutes mes chaînes. Donc HansQ. J'ai les parties perso et d'ailleurs je vais faire des lives, il faut que je règle OBS, mais voilà. Du coup j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, allez voir mes autres vidéos s'il vous plaît parce que ça a pas fait beaucoup de vues, et voilà, allez, ciao.